Donc nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant. C'est ça. Sur Valkyrie. Arena of Destiny. C'est bien ça? Arena of Non, of Eternity. Oh là là. Ah, c'est une boîte française qui fait ça, ils ont dit en anglais. Exact. Oui, bah, bon, c'est normal, c'est pour la mondialisation. Ouais. Acheter français, c'est écrit en anglais, bravo quoi. Blablabla. Bon, qu'est-ce que. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, du coup, on a fait un deck de base. C'est ça, donc toi t'as. Version 2. Version 2. Parce qu'avant, on a fait la version 1. Et c'était moins bien. J'ai pleuré. Hein. Donc j'ai... toi, tu as Oui, on a 200 abonnés, en fait, merci. Ah oui, si on a 200 abonnés. Et on, bravo à vous. On fera peut-être une vidéo de tous les montages pourris qu'on a fait. Ah ouais, je suis d'accord. Mais bon, c'est un peu long, donc je pense pas. Du coup, moi, je vais avoir le guerrier. On fait voir comme ça. Et toi, tu vas avoir, du coup, le sorcier. Et moi, je vais avoir le sorcier. Mais tu veux pas changer, Willy? Tu peux avoir le guerrier? Non, je veux pas le guerrier, moi, je veux perdre lamentablement. Bah, c'est pas parce que j'ai le guerrier que tu as gagné. Alors, du coup, là, si je fais en ligne. Donc, attends, moi, je vais faire comme ça, en petit. On est tout petit, là, coucou. Oui. Et vas-y, tu peux m'inviter. Je te défie. Alors, je t'envoie l'invitation, et normalement, tu peux accepter. Donc, j'accepte. Ici, je scanne mon héros sur le machin. Ça fait 50 fois qu'on fait, donc... Mais c'est nickel. Je fais lancer la partie, et ça devrait ça se lance tout de suite. Direct. Putain, c'est pas... Ah, je suis pas prêt, moi. Je suis pas prêt. Allez, poste tes cartes vite fait. Mais non, mais il connaît tout, lui. Moi, je connais rien. C'est quoi? Non, en fait, il y a la carte que je connais pas, là. C'est nul. Ok, très bien. Alors... Hé, ça, c'est quoi? Ah, merde, cette carte n'est pas valide. Et là, c'est valide. Ça, c'est moins bien. Allez, je suis prêt. Je suis prêt, c'est pas vrai, mais... Allez, je suis prêt. Il faut vraiment faire un travail d'amont pour savoir les cartes que c'est, en fait. Hein. Je pense aussi. C'est toi qui commence, Willy. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un bouclier. Ah non, c'est nul. C'est pas foufou. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était bien, ça. Bon, on pensait que c'était du bien, mais comme on disait, beaucoup de difficultés avec les pourcentages. Donc là, tu me fais une combustion, donc tu essaies de me brûler. J'essaye de te faire des pourcentages, c'est-à-dire 20% d'intelligence par tour pendant 5 tours. Ouais. Et c'est perforant. Bah moi, du coup, je te ferai... 10% 5, 2,5, je t'ai fait 2,5 par tour. C'est pas mal déjà. C'est nul. Mais moi du coup je vais me protéger, je vais augmenter ma force. Donc là il passe à 52 en force, moi je suis à 50. Mais non, Willy, parce que ça fait 20% de ta force, mais c'est perforant. Donc du coup ça passe à travers la défense. Oui bah oui d'accord, mais c'est ce que je t'ai dit, je dois te faire très peu quand même. Mais 20% de ton intelligence, c'est beaucoup plus que 2,5. Eh ben 50. Ah, 25, tu crois? Mais non. C'est 20%. Ah oui, t'as raison. Donc t'es vers les 10. Allez, 100%. Là, 100%. Ah, je t'ai fait combien? Attends, c'est pas encore. C'est moi qui ai lancé mon bouclier, là, je crois. C'est dommage, vraiment, qu'on puisse pas voir ce qu'on a joué. Qu'est-ce que ça fait, ça? Parce que moi, du coup, je connais pas non plus les cartes. Performance, ça veut dire ça à 50 points de résistance ou plus. Bon, non, il en a pas, mais c'est pas grave, j'attaque. Non, pas celui-là. Attends, je vais augmenter ma résistance, moi. Bam, j'augmente ma résistance. Ouais, il va faire sa combo de blues, là. Ouais, moi je l'ai même pas la combo là. Ouais, t'as pas de résistance toi, t'es un magicien. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je t'ai fait combien? 100%. Ben voilà, regarde. Y'a pas le truc pour mettre tous mes points en défense là? C'est celle-là là. C'est celle-là? C'est, t'enlèves ta défense pour. Non, t'enlèves ta défense pour. Convertis tous vos points de résistance en points d'intelligence. Voilà, tu regagnes plein d'intelligence en fait. Regarde, bam, t'es à 65 maintenant. Yes! Ben du coup, maintenant c'est à moi. Et ben du coup, moi je vais faire la combo à la con. Qui dit j'inflige 150% des dégâts de ma résistance. Et vu que j'ai augmenté ma résistance, ça tombe bien. Ouais, mais il faut mieux force parce que tu fais plus de dégâts en force. Attends, Ah oui. Protection, je fais que 33. Enchaînement, donc je fais 40% de machin, ça c'est pas mal. Alors, et enchaînement, ça te permet de rejouer une carte supplémentaire. Eh ben, je vais essayer de faire ça. Encore un bouclier? Je suis peut-être pas forcément la mieux, parce que là, du coup, tu te défends déjà de ma première attaque. Le mieux, c'est de penser à t'attaquer, non? Tu penses? Oui, tiens, fais ça, je pense. Alors, par contre, ce que j'ai vu, là, ce que je viens de remarquer, c'est que la première carte marche que pour la première carte, mais si je fais deuxième, ça va pas enlever les dégâts. Et tu vois, celle-là, ce que tu viens de jouer, là, puissance intérieure, ça t'augmente encore ton intelligence. Ça fait 110% de ton intelligence. Ah, c'est bien, ça. Là, c'est très très fort, du coup, oui. Bah, du coup, je vais devoir me protéger, moi aussi, et augmenter mon attaque, parce que sinon, je vais me faire rouler dessus. Allez, hop. Je me protège. Je passe à 68. Et tu vois, c'est déjà plus équilibré. C'est déjà beaucoup plus équilibré. Et c'est clair. Bah, du coup, là, c'est moi qui ai un peu plus mal. Là. Allez. Ah, je refais, moi. Tu augmentes. Bah, moi aussi, alors. Allez, écoute. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop. Moi, je te conseille de. 71. Willy, je te conseille de mettre les cartes à l'envers dès qu'elles sont déjà toutes utilisées. Genre, là, tu vois, t'es utilisé à 3. Ouais, j'ai fait un petit paquet à son côté. Bon, voilà, nickel. Alors, attention, parce que là, je suis pas bien.
Donc je pense que celle-là, il faut la faire direct. Déjà, j'ai trouvé une combo, je suis content. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, alors ça, j'ai ça. Oh, ça, c'est bien, ça. Non, ça, c'est... Attends, je vais attendre encore un peu. Et ça, c'est bien, ça. Non, non, ça, c'est nul. Ça. Bah alors, ça. Bam. 100% de mon attaque. Oui, 100% de ton attaque. T'as 104 de puissance. C'est clair, c'est mieux qu'avant. Wow, t'es super fort, oui. Ça, là. C'est pas mal, ça. Ça, du coup, ça te permet de te protéger. Bien joué. Donc, t'as perdu que 14 de santé. T'as gagné 5 de résistance. T'as gagné la résistance. Alors, j'arrive, je vais te l'enlever. Bam, Willy, je te broie. Alors, ça fait des dégâts, ça? Alors, ouais, je te broie. En fait, je t'enlève ta résistance. Et en plus, je te fais des dégâts. C'est le marteau. Je vais refaire en ça. Pour essayer de regagner de la résistance. C'est nul. Bon, ça peut être pas mal. Ça, peut-être. Oh, allez, 40% d'intelligence, je pense que c'est pas mal. Comme ça, je vais bien prendre moins de points. Et du coup, tu peux relancer un sort, oui. Et je vais relancer alors, celle-ci. Ça, et je sais pas si t'as vu, regarde, attends, ton personnage, il a 50% changé. 50%, c'est nul, ça. Regarde. De quoi? Chaque champion perd des points de santé égaux à 50% de sa force. Mais oui. Ah, c'est bien, contre toi. Bah oui. Allez, je fais ça. Et regarde, regarde, Willy. Ouais. Tu as changé de forme, ton personnage est devenu enchanté là. Ah bon? Je te rappelle, c'est ton pouvoir en fait, Willy. Et ça fait quoi enchanté? Et bien en fait, du coup, c'est pour ça que t'es passé à 104 de force. Oh, c'est combo! Je commence à comprendre le jeu. Vu que t'as enchaîné beaucoup de cartes en fait. Bon, mais du coup, là, vu que t'essaies de me faire des dégâts, je vais essayer de me protéger. Essayer de récupérer un peu de vie parce que là, je suis pas très très bien. Là. Donc là, c'est drain de vie, c'est ça? Voilà, donc en fait, je vais t'infliger des dégâts et pour chaque dégât que je t'inflige, je l'aurai gagné en point de vie. Bah, du coup, c'est le moment de faire ça. Essayer de te protéger, bah oui. Du coup, voilà, moi je vais t'infliger presque rien, je vais t'infliger bah, 0. Bah nickel. Donc j'ai regagné 0. Ouais! Bon, alors du coup, ça, moi, là maintenant je vais faire mon enchaînement. Bam! Déchaîner la force. Enfin, la chair. Déchirer la chair. Alors ça, tu utilises tous tes points? Je vais utiliser tous mes points d'action pour infliger x20. Donc du coup, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais mettre 200% de ma force. Allez, on va essayer de se protéger comme on peut. Bam, 74, je t'ai mis. Aïe, 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 aïe. Ah oui, là, ça fait mal, hein. Bon, bah, du coup, c'est à moi. Eh ben, vu que tu t'es déjà protégé 3 fois, ah, maintenant, je vais essayer de me regagner des points de vie. Vu que je sais que tu t'es déjà tout est protégé. Mais non, surprise. Oh non, t'en avais encore un, punaise. Et en plus, tu peux rejouer une carte. Et parce que c'est super fort, 40% de ton intelligence, c'est super fort. Ah, et du coup, tu regagnes encore plus de puissance. Eh ben dis donc, je suis pas très bien là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai 2? Ouais, j'ai 2. Non, j'ai... non, c'est 3, j'ai que 2, il faut que ça reste 3. Eh, j'aime beaucoup cette partie. Ah, elle est mieux déjà. Bah tiens, ouais. Ah non, ça s'enlève de la résistance, donc c'est pas ouf. Bah bam, 100%. Et toi, tu n'es pas machin, comment t'as appelé ça? Déchaîné ou je sais pas quoi? Non, pas encore. Non. En fait, tu vois, moi, tu vois, c'est écrit 1 sur 6. À chaque fois que je vais prendre des dommages, je vais augmenter en fait ma force. Bon, bah là, moi, il faut que je t'éclate parce que j'ai plus rien en. Alors, dégâts. Et parce que là, tu m'as point d'action x 20% d'intelligence. Alors c'est des points d'action, j'en ai pas. T'en as que 4, c'est pas foufou. Ça fait quoi? Ça c'est encore la même chose, tu me fais perdre. Chaque champion perd ses points de santé 50%. Ça peut être bien. Pas énormément quand même, on va attendre un peu. Tiens, je vais faire ça en vitesse. Hop hop, je pense qu'il faut tout de suite une... Ah, ça marche pas. Ah. Bien joué. Ouf, ouf, ouf. Donc du coup, t'es bien toi, ta forme draconique encore plus fort, regarde Willy. Ah bah c'est on continue. Mais oui, regarde, t'es pas encore augmenté à 250 là. Oh là là, je suis pas bien. C'est dommage que je te tue là. Ils ont pas fait mieux, tu vois, plus... Ils auraient pu mettre des ailes. Bah, déjà, il y a une grosse brume. Après, il y aura des ailes, je pense. Ah oui, d'accord. Et bam, je te fais pourfendre, du coup, je fais 120% de mon attaque. 120% de ton attaque, c'est bien, moi je peux rien faire, donc je peux peut-être faire ça. Non, ça c'est nul. Ça. Bah oui, tous les points d'action, ça va, t'en as pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ferait 120%. Allez. C'est pas mal, 120%, 120%, tu mets plus 100 points 92, de dégâts. 92, toi tu m'as fait. Moi je t'ai fait combien? Je me protège. J'ai plus de protection, oui. Non, j'ai plus de protection. J'en ai plus non plus. Ah là là, je suis pas bien. Bah du coup, écoute. Bah bam, re 120%, bam, ça t'apprendra. Ouf, oh là 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 là, j'ai pris un gros t'as gagné 10 points de force, pourquoi t'as gagné 10 points de force? Parce qu'en fait, plus je perds de la santé, plus j'augmente ma force. Ah, c'est ta capacité? C'est ça. Mais bon, toi, regarde, t'es bientôt là, t'as 245 sur 250, tu vas arriver là en forme dragon là. Premier, 120%, c'est bien ça. Ah, ça, c'est ce que je te soigne, oui, tu te soignes. Ouh, alors je suis à combien? Je suis mort là bientôt? Non, t'as 420 points de vie, oui. Donc c'est nul de faire ça, je vais peut-être faire boule de feu. Boule de feu, il m'en reste une, je pense. Allez. Bam, 100%, donc je te fais 115. Aïe, 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 je suis pas bien.
Ah ça va, je t'ai fait reperdre un peu plus de te santé là. Par contre, ma prochaine boule de feu, elle va me faire 100 là. Tu vas pas gagner de trucs, j'ai encore beaucoup de points, pas beaucoup de points, donc du coup je vais faire ça. C'est juste un 100%, mais c'est déjà bien. Ah ouais, du coup je passe à 96. Oh, c'est serré là, c'est serré Willy. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais regagner les points de vie, je pense que c'est... Oh là là, l'enflure, moi j'en ai pas, tout ça. Là, j'ai perdu 96, et toi? Bon bah du coup je vais faire ça. Je vais faire un sacrifice, je vais perdre 5% de ma santé, mais je vais faire 90% de dégâts. Ouh, j'en gagne 120 points de vie. Donc je vais m'auto-mutiler, mais exprès, comme ça je vais gagner encore plus de force. Oh. C'est mon combo. Je vais faire... Et regarde, t'es passé en wagon là. Je suis passé en wagon. Et non, regarde, ça t'a remis en normal. Pourquoi? Mais je pense que ça doit être ça, c'est ta surcharge, je pense. C'est que pendant un certain temps, en fait, que tu peux... Ah, d'accord. Que tu en passes en mode brume, en fait. Ça, c'est pour gagner des points de vie, c'est nul. C'est pas nul. Ça, c'est pareil, toutes tes c'est actions. C'est points d'action, c'est pas pour l'instant. Ouais, tu peux me brûler, là, il me reste ça, je pense, un petit truc que tu peux faire. Voilà, ça, c'est... Ouais, après, moi aussi, bientôt, ouais, je vais faire que ça, bientôt, oui. Ah, merde, j'ai passé mon tour, là. Ah, non, c'était... tu l'as pas fait. Bah, attends, je passe mon tour, oui, vas-y. Je vais passer mon tour, parce que du coup, vu que t'as pas trouvé... Et non, je rigolais. Je meurs. 10, 9, ah, c'est très 8, sympa comme ça, j'aime beaucoup. 7, c'est déjà beaucoup mieux et beaucoup plus équilibré, on va dire. Ouais, parce qu'on a fait une partie avec la version 1, je pense qu'on ne mettra pas la vidéo. Non. J'ai fait des bons comme ça. Allez, là c'est que je voulais mettre. Ouais, c'est bien ça. Et bah du coup, moi je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Encore sacrifice. Ah, tu m'as fait perdre des points, j'étais à 115 tout à l'heure. Non, si je fais sacrifice, je vais mourir. Ah non, c'est quand je j'augmente, c'est quoi ça, que... quand je passe en dragon, que je gagne des points de... C'est ça, exact. Ok, c'est bizarre, hein. Et c'est marqué où ça, que tu gagnes des points quand tu passes en dragon? C'est, en fait, c'est écrit là, en fait, à chaque fois que tu joues, il y a écrit, quand votre jauge de clairvoyance ouais, atteint son maximum, regarde, c'est pareil. Vous prenez une forme d'esprit. Vous prenez une forme d'esprit, mais où c'est qu'on voit que l'esprit fait plus de dégâts? Mais rien en fait, ça te fait augmenter tes points en fait. Enfin, ça augmente tes points d'un truc. Enfin, je sais pas exactement où il est. Ouais, c'est bizarre. Hein. 138 de santé, bouh, je t'ai mis gay cher. Ouais, mais là, tu vas me tuer là. Attends, tu vas me tuer. Tu fais combien là? Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, 9, ça fait 180%. Ouais, je meurs là, Willy. C'est fini, tu m'as eu. Je vais essayer de faire ça quand même, juste avant. Ah mince, ça passait mon tour. En plus, c'était paralysé. Eh voilà. Ah, j'ai rien dit. Eh bien joué, oui. Oui, j'ai gagné pour une fois. Wouh. Bah, en tout cas, c'est quand même beaucoup plus marrant. Hein. Si vous faites initiation au magasin, ne jouez pas contre le deck version 1. Ou alors à vos risques et périls. Avec une version. Ou avec une version. Si vous avez des boosters. Exactement. Voilà. Mais là, ouais, là, c'est beaucoup plus marrant. Hein. Ah non, c'est clair. Ouais, pas photo, quoi. Ah là, j'ai apprécié, vraiment. Alors, ouais, vraiment. Vraiment, le jeu est beaucoup plus équilibré entre la version 2 et la version 2 que entre la version 1 et la version 2. C'est... Ouais, en fait, vous voyez... Ils ont dû rééquilibrer les cartes. Un peu, le dos de cartes, moi je suis version 2. Voilà, et ça c'est le version 1. Version 1. Alors comme c'est un truc en bêta, et je pense qu'ils ont mis des... Enfin, il y a aussi celui-là comme... Je pense qu'ils ont dû mettre des rares qui sont passés en commune, en fait. Je pense aussi, voilà. Dans les versions de base, et du coup, j'ai joué, j'ai fait toutes mes cartes. Le mieux comme avant là. Mais je pense oui que j'ai beaucoup de rares en fait, alors qu'à la base comme tu disais c'était des communes. Ouais. Après ça se comprend, je veux dire, il a acheté ça, c'est pour récompenser ceux qui ont acheté les premières rares. Hein. Je pense aussi, là c'est une rare, tu vois. Moi je trouve ça pas mal. Hein. Bon, ça c'est une commune. Ça c'est une commune. Non, le jeu très très sympa, hein, très équilibré, très bien. Hein. Vraiment, deux starters de base, super. Je suis d'accord, ça c'est une rare aussi. Après peut-être pas. Mais pas forcément avec la version 1, et la fin. C'est moi j'ai que deux rares. Hein. C'est ça, voilà. Problème, je pense, hein. Moi dans celui-là j'en avais déjà 3 et là ça arrive là les 4 et 5. Allez, sur une échelle de 1 à 20, combien tu donnes toi ce jeu? Alors moi j'aime beaucoup le concept. De 1 parce qu'on a vraiment les cartes, on les touche et ça c'est bien. Et en plus on peut jouer en ligne n'importe où on est. C'est-à-dire soit en magasin on va faire des tournois avec des cartes à gagner. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire gagner parce qu'ils nous ont envoyé, ils m'ont expliqué mais je sais pas trop où on suit. Je pense que c'est des cartes exclusives. Ou sinon au pire des cas des bons d'achat ou des boosters à gagner. Hein. Je pense qu'on fera des trucs comme ça. Oui. Avec les PC reliés d'un côté à l'autre, comme ça on voit ce que fait l'adversaire et on peut jouer en interaction. Quoi, hein. Exactement. C'est quand même beaucoup plus marrant. De hein. façon Hearthstone Café, pour ceux qui l'ont déjà fait en magasin. Quoi. Exact. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut augmenter nos cartes chez soi. Exactement. Ça c'est bien. Comme ça on peut améliorer. Bien sûr, comme on vous a montré, les améliorations ne sont pas conséquentes. Ça améliore un petit peu, mais.
Ça récompense ceux qui jouent, quoi. Voilà, exactement. Ça récompense ceux qui jouent. J'ai autre chose que j'ai trouvé ça super bien. Quand on joue l'un contre l'autre, oui, il y a quand même les récompenses qui montent. Oui, exactement. C'est fort, ça. C'est bien. Même si on joue tous les deux, là. Si on joue toute la journée tous les deux, on va monter nos trucs. On va monter nos trucs. C'est bien, ça. Mais c'est vraiment bien. Du coup, ça récompense énormément. Plus Hearthstone, tu peux pas. Ah non, Hearthstone, tu peux pas. En réseau normal, tu gagnes pas de rien, quoi. En tout cas, note de 1 à 20, moi, je mettrais un bon 15. Un bon 15. Parce qu'en vrai... Moi, je suis un peu plus critique que toi. Je mettrais un 14. Et je vais vous dire pourquoi je mettrais un 14. Pourcentage. Pourcentage, ça me... Ça, par contre, je suis d'accord. Ça pourrait me la faire descendre à 14. Ça me tue, vraiment. Surtout, quand la partie est assez équilibrée comme nous, ça n'influe pas grand-chose. On a le temps de regarder un petit peu le truc. Si c'était la partie d'avant, qu'on va pas mettre, parce que je vais la brûler, je pense. Là, si vous vous plantez une seule fois, vous ne revenez pas, quoi. Ah, c'est difficile, on va dire. Il faut vraiment jouer la bonne carte au bon moment. Après, pour l'instant, voilà, là, on est que sur les decks de base, mais en compétitif, à mon avis, ça doit être vraiment très intéressant aussi à voir. Ouais, je pense que ça doit être super rapide en compétitif. Beaucoup plus rapide que... Je pense aussi, ouais. Et après, voir un peu les... à force de jouer, ouais, je pense. Bah, pour l'instant, en tout cas, le jeu, il y a du bon. C'est ça. Moi, je mets un 14 parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Voilà. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Je pense que... C'est ouvert à des gens qui savent déjà jouer un minimum de cartes. C'est ça. Et puis, il y a cette histoire de pourcentage qui est vraiment problématique. C'est ça. Pour l'instant, je trouve. Après, c'est une bêta, comme on disait. Ça va peut-être s'améliorer. Par contre, le design, super. Ah oui, ça, c'est sûr. Les cartes le système de mettre les cartes, au bout d'un moment, c'est pas si gênant comme ça que chacun joue sa carte. Exactement. C'est même très intuitif, en fait. Et même c'est ça, en fait, qui va peut-être apporter des joueurs, en fait, parce que c'est très, ludique. Enfin, c'est ça, il y a quand même une interaction. C'est ça, une interaction avec votre clavier, quoi. C'est ça. Ouais. C'est pas non plus... Autre petit bénol, on va faire tout le bon et le mauvais, hein, quand moi, même. Je suis d'accord. Le mauvais, l'installation. L'installation était un peu compliquée selon les PC. Selon les PC, il faut vraiment avoir la version... L'installation elle-même n'a pas été si embêtant que ça, parce qu'on a fait sur 4 PC, il y en a, sur 5 PC, il y en a qu'un qu'on n'a pas réussi. Oui. Les autres, quand on a compris le truc, c'était assez rapide. Mais il y a beaucoup d'installation aussi à faire. Et puis c'est les pilotes. Je trouve que c'est pas stable, pour l'instant. Je suis d'accord. Après, on a fait des vidéos, là, toute la journée, on a fait 4 heures de vidéo pour une demi-heure d'enregistrement, quand même. Mais après, c'est parce qu'on est... Tout le reste, on a eu des bugs. Hein. Ouais. Les connexions ne marchaient pas, les connexions ne marchaient pas. Après, rappelons que c'est une bêta. C'est toujours une bêta. Voilà. Il y a eu la bêta numéro 1, donc vous avez vu les cartes là, et là, la bêta numéro 2. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça sortira avec une connexion... Je sais pas si c'est peut-être ma connexion, tu vois, de mes PC qui a fait que ça buguait, ou si c'était de chez eux. Je sais pas. Après, je sais pas, enfin, moi je me rappelle que dans les toutes premières bêtas, c'était des périodes de jeu. Mais bon, ça c'est normal, c'est des bêtas comme d'habitude. Je sais pas, peut-être que les serveurs sont peut-être un peu trop... Non mais là, par exemple, on a eu deux ennuis de connexion aussi avec le petit truc. Hein. C'est vrai. À un moment, toi, il a plus reconnu. Il a plus reconnu. Il fallait le débrancher, rebrancher. Moi, j'ai dû redémarrer le PC pour que ça revienne. C'est un peu embêtant. Mais après, ça gêne pas forcément trop le jeu, on va dire. Pour l'instant, ouais, si t'es en tournoi... Sans tournoi, ouais, ça c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais comme on disait, c'est une bêta. C'est une bêta, donc pour l'instant... Je pense que la fiabilité viendra avec le reste. Exact. Ouais. Là, déjà, en premier opus, c'est pas mal. Hein. Oui. Enfin, le design est pas mal, le jeu est pas mal. Il y a vraiment du potentiel. Et puis il y a certains combos qui... Petit truc peut-être, il n'y a pas assez d'animation. Ça, je suis d'accord. Il pourrait réellement faire, par exemple, au bout du troisième truc, la carte se transforme, qu'il soit plus même visuel. Il pourrait tout à fait mettre le faire, hein. Un peu plus de temps à montrer ces animations pour voir réellement ce qui s'est passé. C'est peut-être trop rapide à l'écran aussi. Ah oui, ça aussi en termes de jeu, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de choses qui s'affichent petit à petit pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Exact. Et revenir un peu pourquoi j'ai perdu 150%. Et encore, on est tellement concentré à regarder notre carte que moi je regardais même pas combien de points je faisais. Ouais, c'est exactement. Donc à un moment j'ai vu 150, j'ai dit ah ben, pourquoi 150? Ah ben t'as gagné 2 points, pourquoi 2 points? Exact. On ne pouvait pas remonter. On peut pas revoir. Il manque ça, donc un historique. Mais si et l'ATH remettre un petit peu mieux. Mais s'ils me remettent l'historique, ça prendra plus de temps, tu vois. Exactement. On a quand même que 30 secondes. Pour jouer. 30 secondes, c'est très très peu. Hein. Après, ça limite aussi, parce que comme on disait, c'est quand même un jeu qui joue aussi en ligne, et c'est peut-être un peu long de jouer. Pourtant, les parties sont rapides. C'est ça, moi je pense les parties sont rapides. Mais je pense que c'est voulu réellement qu'ils essaient de faire reconstruire un jeu de cartes rapide, intuitive, et que ce soit le fait que tu te plantes de cartes que tu perdes.
Enfin, moi je trouve ça pas mal ce système là. Le 30 secondes ça me gêne pas, ça fait partie du charme du jeu. Et de la combien du jeu. Hein. Et d'où en plus qu'il y a même des cartes qui enlèvent ces 30 secondes à 15 secondes. 15 secondes, ouais, c'est mignon. Mais vraiment, je trouve que ça s'adresse à un public qui joue plusieurs fois. Je suis d'accord. Il faut un peu s'accrocher pour continuer. Ou il faut être un geek peut-être. Faut s'y mettre. Je suis pas geek, mais bon, je pense que ouais, si les jeux de cartes, je connais à peu près. Hein. Mais des fois, je suis largué. Bon. Je sais pas pour toi, hein, mais. Non, je suis complètement d'accord. Ah, le problème, c'est. Ouais, c'est ça. C'est il manque l'intuitivité des cartes. Exactement. Voilà. La seule chose qui est vraiment intuitive et qui marche énormément bien, c'est de poser la carte et tout et de l'activer. Ça, par contre, c'est très. Voilà. Je pense que juste le fait de poser la carte et que des nombres qui s'affichent sur les cartes avec le nombre de dégâts qui est écrit dessus, ça serait le top. Je suis complètement d'accord. Et après, ça apparaîtrait, voilà, comme il y aurait écrit le nombre, il n'y aurait pas besoin d'historique. On verrait combien on a perdu, 150. On dit, ah ouais, c'est pour ça qu'il y a 150 plus 5. Voilà. Oui, ou même tu vois, juste... des trucs s'affichent petit à petit. Des petits résumés. Ça peut être vraiment bien, ça. Et je pense que là, ça serait le top. Là, moi, je mettrais un bon 18. Ouais, je suis d'accord. Bon, peut-être pas 18, mais oui. Ah si, moi, je trouvais ça pas mal. Allez, 17 parce qu'il n'y aurait pas les animations, animation, machin. 18 avec animation. Ah, 18 avec animation, clairement. Oh, bon, en tout cas, c'est vrai que ça nous a énormément plu. Ouais, moi j'ai bien aimé, vraiment. Première version, j'ai pas aimé. Celle-là, j'ai bien aimé, par contre. Ah, c'est pas pareil. Contre un jeu construit, je pense que... Les starters de base sont un peu plus compliqués contre un starter... Enfin, contre un construit, pardon. Je pense qu'il faut un starter de base contre un starter de base. Oui, largement. Construit contre un construit. Oui. Sinon, vous amusez pas, je pense. Mais comme beaucoup de jeux de cartes, hein, c'est pas. Ça, oui, c'est oui, pas on est d'accord, c'est pas un reproche au jeu. Hein. Ah non, non, Magic, c'est beaucoup de jeux de cartes pareil. Hein, c'est bon. Donc, pour information, je sais pas si on l'a dit cette vidéo, mais on va le redire, on sait jamais. Le vendredi 30, on fait. Donc, initiation aux armes de légende à partir de 20h, si j'ai pas bêtise. Non, 22h. 22h. Vous venez, c'est gratuit. Donc vous pouvez tester le jeu. Voilà, les PC seront faits, il y aura un animateur qui va vous expliquer comment on joue, parce que, bon, alors ça, il dit ça, mais il sera pas réveillé. Quoi bon. enfin plusieurs, on va essayer de récupérer d'autres portables pour essayer de faire tourner plein de gens. Et à la fin, si jamais vous voulez acheter les produits au magasin, il y aura une petite réduction, parce que vous avez participé à cet événement. À cette initiation. Donc, voilà. À terme, on nous a dit, on en a parlé, peut-être qu'il y aura les graphistes et les concepteurs de jeux qui feront une journée avec nous, en fait. Bon, ça sera peut-être après les vacances. On en a parlé, on va dire, hein, qui viendrait faire un petit coucou. Et comme ça, on pourra exposer nos idées. Ouais, bien sûr. De toute façon, ce sera écrit sur le calendrier, non ? Ah oui, mais c'est pas encore, hein, je pense que ce sera après les vacances. Mais bon, c'est à dire. Donc, les armes de légende comptent faire des tournois régulièrement de ça, vendre des produits, donc, du coup, et faire réellement des tournois en magasin. Des petits matchs, hein, je pense. Hein. Oui, c'est peut-être sympa. Peut-être starter contre starter et construit contre construit. Je pense aussi, ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment. Ou limiter, faire des genres de légendes, limiter à deux rares par deck. Enfin, ça peut être vraiment très sympathique. Ça peut tout à fait le faire. Ça, je suis d'accord. Comme c'est écrit dessus, on a juste besoin de vérifier, limiter à 10 cartes et optimiser le truc. Changer les formats qui existent déjà. Parce que le problème, je pense que là, si on tape liste de deck, meilleur deck, on va avoir toutes les cartes à avoir. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, ce jeu, parfait. Non, très très bien, très très bien. Par contre, c'est du matos. Voilà, c'est ça. Un peu de matos. Par contre, même un vieux PC, ça tourne. Hein. Oui. Oh, je pense que ça demande pas une très grande... Pour une bonne connexion, une carte graphique, même ma carte graphique du PC d'enregistrement, ils sont passés. Ah oui, il suffit largement. Ça demande pas quelque chose d'énorme. Hein. Et après, il y a quand même un petit bug qu'on a vu, qu'on a juste à dire pour finir. On a essayé de jouer en local, en fait, c'est-à-dire qu'avec un seul PC... Un seul lecteur en fait de cartes. Mmh. Et le problème c'est que quand on mettait une carte en fait. Donc le magasin, on a commencé à installer des écrans et je comptais faire en local en fait, parce qu'elle m'a dit que c'était possible de faire avec un seul écran et on voit sur l'écran et l'effet des cartes. Et comme ça on aurait joué chacun avec un seul truc. Chacun, mais chacun son tour. Et ça marche pas du tout. En tout cas, on n'a pas compris comment ça marche. D'ailleurs, le problème c'est que quand on posait une carte, ça l'a joué des deux côtés. Donc il y en a qui jouaient jamais quoi. Exact, c'est ça. Voilà. Du coup, c'est. J'ai pas compris le truc. C'était pas. Y a plus d'interaction malheureusement sur ça. Bah, peut-être qu'il y a un bug actuellement. C'est pas ça. Je comprends pas. Peut-être que le local n'est peut-être pas encore. Peut-être que c'est les PC qui étaient mal reliés, je sais pas. On sait pas du tout. Faudrait retester, faut voir. Ah, à voir. Enfin, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça fait quand même 30 minutes.
Ah bah quand même. 30 minutes pour t'éclater. Oui, j'ai gagné enfin. Non, je prendrai la revanche. J'ai acheté le booster. Bon, par contre, le jeu est un peu cher. C'est un peu comme Pokémon. Vu qu'il y a un double emploi, un jeu de cartes plus un jeu de truc. Après, il n'y a pas besoin d'avoir deux fois la même carte. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Chose que j'ai réfléchi à ça, je pense que je vais essayer de faire un jeu de cartes construit. Avec les sorteurs. Avec les. Non, non, non. Jouer à Malkyr. Ouais. Mais la possibilité de changer les règles en fait et de jouer à l'un contre l'autre à faire un jeu de cartes réel, pas carton. Pour recycler les cartes qui nous restent sur le côté. Je comprends. Tu vois ce que pour recycler les cartes du reste. Ouais, ça pourrait peut-être le faire. Après, il faudrait voir qu'est-ce que ça impliquerait et comment. Je sais pas, j'ai déjà pensé à ça. Bon, alors, mais ça pourrait être sympa à faire double emploi. Je suis d'accord. Pour toutes les cartes qui nous restent en double, c'est vrai que ça peut être vraiment bien. Ouais. Enfin voilà. Donc du coup, vous voyez du potentiel déjà. Les diffuses. Ouais, c'est vrai. Voilà. Nickel, votre jeu. Moi, je vous ai vu sur votre stand, nickel. Très bien. Par contre, il faudrait que ça serait pas mal que je puisse scanner les cartes bleues avec. Le prochain truc, ça serait pas mal. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. J'espère vous revoir une prochaine. En tout cas, ça m'a bien plu. Merci beaucoup, Milo. Il n'y a pas de souci. Et je vous fais un gros bisou. À plus. Ciao.